On commence à ramasser à peu près à partir de mi-octobre jusqu'à mi-novembre. Même mi-décembre, ça en fonction de du temps qu'il fait. Donc cette année, c'était plus tôt que d'habitude. Donc on a commencé tout vers la mi-septembre jusqu'à mi-novembre. À peu près 2 mois de ramassage. Donc les pommes, elles sont ramassées par variété. Elles sont entreposées et elles sont pressées, on va dire, sur un laps de temps de 3 jours. On presse à peu près 60 tonnes de fruits en 3-4 jours. On fait appel à une entreprise parce que notre pressoir ne nous permet pas de presser rapidement et en grande quantité. Et ça permet aussi d'avoir tous les jus en même temps en cuverie et mon mari a beaucoup plus facile à faire ses assemblages. Il goûte tous ses jus en fonction des variétés et après il va transvider pour faire des jus qui resteront sucrés. Donc une fois que le jus est en cuve, pendant une quinzaine de jours, il va y avoir une forte fermentation. Toutes les impuretés du cidre vont remonter en surface pour faire un épais chapeau brun. Au bout de 15 jours, il y aura lieu le premier soutirage, c'est-à-dire que le cidre va être basculé dans une cuve propre et maintenant va commencer la lente fermentation qui va durer minimum 4 à 5 mois avant l'embouteillage. Durant cette période-là, le cidre va être soutiré de nombreuses fois pour à chaque fois enlever les lits qui se déposent cette fois dans le fond de la cuve pour qu'en final, au moment de l'embouteillage, on ait un jus très limpide mais qui ne contiennent que le minimum, juste ce qu'il faut de levure pour la prise de mousse en bouteille. C'est une prise de mousse naturelle en bouteille. On ne rajoute pas de ferment ni de conservateur. La prise de mousse se fait en bouteille. Mars, il y a beaucoup de cidre en bouteille dans les cidreries. Donc chez nous, on est en train de mettre du cidre en bouteille et cette semaine, on va mettre 12 000 bouteilles. On va faire 12 000 bouteilles. Voilà. Du brut et du mi-sec, c'est-à-dire c'est notre intense et notre flatteur. Voilà. Donc les bouteilles, le cidre est terminé. Les bouteilles sont placées pour que les levures elles descendent au niveau de la capsule, toutes les levures descendent et régulièrement le palox est remué pour activer la descente des levures. Quand les levures sont bien descendues, les bouteilles sont transportées en salle de dégorgeuse. Puis j'ai des levures, après chaque bouteille est ouverte, c'est ce qu'on appelle le dégorgement. Et chaque bouteille est ajustée sur l'appareil et c'est là qu'on lui ajoute son sirop de cassis. Après la bouteille, il faut la fermer, donc la capsuleuse. Bon, les deux côtés, pas la capsuleuse. Donc la bouteille va être capsulée. Tout de suite, les bouteilles vont être lavées parce que quand il y a des résidus de sirop, les bouteilles vont retourner en cave pour se reposer. Il faut que la bouteille soit propre. Parce que quand on la ressortira au moment du piquetage, si on ne la nettoie pas, elle va rester. Il faudra la laver plus d'une manière plus soutenue. Donc là, elle part très propre en cave. Elle est remise, chaque bouteille, on remet les bouteilles dans un casier, on ferme tout, on vient mélanger le sirop avec le cidre. Et après, soit les bouteilles retournent un peu en cave, ou alors partent à l'étiquetage. Ce matin, on a embouteillé donc, du cidre. Oui. Après, il est stocké en cuve pendant un certain temps. C'est comme un vin tranquille. Au bout d'une quinzaine de jours, il va y avoir l'apparition d'une première bulle. Parce que dans la bouteille, il y a juste ce qu'il faut de levure pour la prise de mousse naturelle. Mm-hmm. Donc, il y aura dans une quinzaine de jours une première bulle, puis après, ça va venir bouillir. Et dans un mois et demi, le cidre, eh bien, il sera déjà bien pétillant. Mais il va reposer encore un certain temps, minimum 4-5 mois en cave, pour être bien fini. Et ce cidre-là peut nous servir à faire des méthodes traditionnelles. On le ressort, on le dégorge
et on fait nos kirs. Un peu de rubis d'Ardenne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc une formule plus apéritive, réalisée avec du cidre en méthode traditionnelle et un ajout de sirop de cassis que l'on a sélectionné. Et ceci pour arriver à 9 degrés.